Yo les gens, c'est Mister Chancena, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo assez spéciale parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai justement les pochettes de ma mallette à DVD que je dois ranger. Voilà. Et en fait à côté de moi, j'ai une pile de DVD que j'ai sorti. Donc du coup je vais les ouvrir et je vais enlever les DVD pour les mettre dans les pochettes. Donc c'est parti. Donc après les boîtiers, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Donc voilà. Ça, hop. Donc celui-là, il est fait. Enfin, cette pochette-là, elle est faite. Ça, la boîte, on la met à côté. Donc je pense que cette vidéo-là, je vais la faire en plusieurs parties parce que ça va me prendre énormément de temps à faire tout ça. Voilà. Donc bien sûr, après, je ferai une vidéo sur tous les DVD que j'ai. Hein, voilà. Une présentation bref de tous mes DVD. Donc j'en ai plus de 1000 hein, de DVD, j'en ai plus de 1000 je pense. Donc je pense qu'il faudra que je me reprenne des pochettes. Je verrai bien si ça rentre pas, tant pis, hein, voilà. Et puis c'est tout. Ouais, c'est comme ça. Donc ça, les boîtes, je les mets par terre. Ça, hop, ça m'évite de prendre trop de place. Pardon. Je vais juste mettre en pause parce que voilà, je suis en train de faire une trilogie, il faut que je retrouve les autres DVD, je les mette et après je mettrai les autres. A tout de suite. Donc excusez-moi, j'étais parti chercher les fameux DVD. Voilà. Là, hop. Je peux continuer avec cela.
Regardez, regardez, regardez. Regardez l'état dans lequel est la pochette. Pourtant, il est tout neuf le truc, hein. Mais c'est dans le. Quand il a dû se. Quand ils ont dû conditionner les pochettes, je pense qu'ils ont dû se chiffonner. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais mettre ça là-dedans. Ça va faire moche. Donc, non, je la mets à côté celle-ci. Je la mets comme en tant que défectueuse. Voilà. Je la mets en tant que défectueuse. Voilà. Parce que. Tout simplement, toute chiffonnée, donc ça ne sert strictement à rien d'avoir une pochette à DVD pour qu'elle soit chiffonnée en fait. Hein. Au pire, c'est pas grave, je pense que sur Amazon, les pochettes, ça doit se trouver facilement, les pochettes comme ceci. Bon, je pense que ça se trouve facilement. Oui, je pense aussi. Donc là, je ne sais pas du tout. Ça. Poubelle, enfin poubelle. Je sais même pas où je vais mettre toutes ces pochettes là. Alors, là il y a celui-là, d'accord. Faut que je mette celui-là là-dedans. Moi je vais essayer de les mettre là-dedans, mais. Bah, ça fait pas joli. Hein. Ouais, non. On va prendre une autre. Ça fait pas joli, hein. Franchement. Voilà, le disque bonus et le film. Voilà. Donc ça, c'est ça. Puis en plus, ça, c'est chiant parce que ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Donc celui-là, oui, il faut que je remplisse celui-là. Oh, c'est la galère. Putain, celui-là, tiens. Ça, je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Voilà, là, il est plein. Celui-ci aussi est plein. Celui-là. Hop. Ah bah voilà, j'y arrive enfin. Ah, faut que j'enlève tous les papiers. J'oublie toujours de mettre ça avant. Voilà. Ah oui, donc ça c'est une quadrilogie, donc je vais pas la mettre tout de suite. Voilà. Donc ça il est rempli celui-là. Ouais, c'est bon, celui-là est rempli. Ouais, il faut que je remplisse celui-là aussi. C'est extrêmement long de faire ça, hein. Je vous assure, c'est très 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 long. Parce que non seulement quand vous achetez une mallette pour ranger vos DVD, les pochettes ne sont pas insérées dedans. Il faut les mettre soi-même. Il faut les sortir, il faut les ranger sur les rails. Moi je fais pas ça, moi c'est bon. Moi je les fais un par un et puis c'est tout. Quitte à ce que ça prenne du temps, c'est pas grave. Hein. Moi je vais pas me casser la tête. Voilà quoi.
pas ce truc. Ah bah celle-ci aussi c'est un double truc. Donc on va mettre ça d'abord là-dedans. En fait, moi, je mets les DVD seuls avec les DVD seuls et les DVD... Les DVD seuls, je les mets dedans. Et ceux qui sont double pack, je les mets ensemble. Pour pas que je me trompe en disant, ah bah les bonus sont là, le film est là. Enfin, donc, je mets tout dans le même dans la même pochette, en fait. Donc là, comme c'est un truc double face, enfin double DVD, donc je mets dans la même pochette. Me casser la tête avec ça hein, parce que ça rentre pas dedans. Donc ça pareil, c'est une trilogie, une quadrilogie, donc ça je le mets là, il est fini. Ça pareil, c'est une double tie. Ok, ah bah j'ai même pas encore rangé cela. Oh punaise, donc désolé hein, si ça prend du temps, mais c'est normal, c'est parce que c'est très très long à faire ça un par un. Je vais pas m'en sortir, je vais vraiment pas m'en sortir. Ah, je vous assure. Ah, je vous assure. Ça va me prendre énormément de temps à ranger tout ça. Je serais peut-être même obligé de faire plusieurs vidéos, vous voyez. Alors, ça, c'est déjà fait ça. Puff. Donc là, je vais pas vous montrer les DVD que je suis en train de faire. Je vais vous les montrer dans la prochaine. Enfin, une fois que j'aurai fini de les ranger, bien évidemment. Une fois que j'aurai tout rangé, je vous les présenterai un par un dans la grosse malle. Voilà, donc dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée que j'aille acheter une mallette à DVD. Pour 1000 DVD, hein, je rappelle, pas 500, 1000, pour 1000 DVD. Mais moi, comme je pense en avoir plus de 1000, je pense que ça va être un peu la catastrophe. Là, ça va être un peu la galère pour ranger tout ça. Alors attendez. Vraiment désolé, hein. C'est un peu long, mais je suis vraiment désolé. Ça me saoulait pas rentrer dedans, ça. Voilà. Enfin, c'est rentré dedans. Bon, ça, je vais mettre là parce que ça se pétait la gueule. Voilà. Alors maintenant. C'est vraiment la galère, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Sortir le DVD, ça m'énerve. Hein. Faut pas que je mélange. Je vais mettre un par un parce que sans quoi après je vais mélanger les pinceaux. Je vais plus savoir sur quel film, quel bonus.
non plus. Donc dites-moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaise. Comme ça, moi, je pourrais peut-être en faire plus souvent. Enfin, plus souvent, je ne sais même pas si l'intégralité... En plus, j'en ai encore dans le meuble là, j'en ai encore dans l'autre côté. Je ne sais même pas si tout ça, ça va rentrer dans ma mallette. Je serais carrément peut-être obligé de racheter une autre mallette. Je sais vraiment pas. Je sais... Je suis perdu. Donc là, je remets en pause pour rechercher la quadrilogie. A tout de suite. Donc, me revoici. Voilà, ensuite, il n'y a plus de DVD, j'ai fini, je vais maintenant pouvoir m'attaquer aux autres DVD qui sont de l'autre côté. Désolé, hein, je cavale un peu partout, je suis vraiment désolé. Thank you.
Oh là là, ça va se péter la tronche là. Comment je peux faire là? Parce que en fait, toute la pile de boîtiers que j'ai mis là, ça va se péter la tronche. Je sais même pas comment je vais faire moi. Flûte, 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 flûte et crotte, hein. Pas que ça se pète la tronche, parce qu'après je me rappellerai même plus où, quels sont les boîtiers que j'ai déballés en premier. Alors, vous voyez, faut vraiment pas que ça se pète la tronche, hein, parce que alors là, si ça se pète la tronche. Ah! Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Je l'avais dit pourtant que ça allait se péter la tronche, ça s'est cassé la tronche. Et je fais. Oh là là, je sais même plus quel DVD que j'ai déballé maintenant. Oh là là là. Oh bah tant pis, c'est pas grave. Oh, ça m'énerve. Oh, ça m'agace. Donc vous savez quoi? Mes vidéos où je présente tous mes DVD, je vais la supprimer. Je vais carrément faire maintenant sur ma mallette à DVD. Ça va être plus simple parce que si je fais à chaque fois boîtier par boîtier et tout et tout. Donc là je mélange tout, absolument tous mes DVD. Donc je les fais tous, absolument tous. Comme ça je suis tranquille. Je fais absolument tous mes DVD. Comme ça je suis tranquille. Ah ça m'énerve, tout est tombé. Je sais même pas comment je vais faire pour tout ramasser moi maintenant. Oh zut. C'est pas grave, je vais piétiner dedans, c'est pas grave. Je mets en pause, je cherche un autre DVD. Donc me revoici. 23 minutes déjà, la vidéo est dure. Oh là 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 là, je pense qu'elle va durer 30 minutes. Je sais même pas si j'aurai le temps de finir parce que voilà. Tellement que ça va te prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps à faire tout ça. Mais ce n'est pas grave. Au moins je prends du plaisir à faire une vidéo. Voilà. Prends le plaisir à mettre tous mes DVD dans la pochette, dans la boîte, dans la mallette. Ça au moins, hop. Donc tout ce que j'ai là, tout ce que je suis en train de faire, je les vendrai pas. Parce que comme je vais me débarrasser des boîtes, et ben sans boîte, je peux pas les revendre. Donc tout ce que je suis en train de faire, je vais les garder. Voilà. Et puis de toute façon, j'ai déjà fait un tas de ceux que je veux vendre et ceux que je veux garder. Donc voilà, pas de souci pour ça. Une pile, regardez-moi ça, une pile de pochettes, regardez. Ça aussi, ça va se péter la tronche, hein. Faut que je fasse gaffe, hein, ça va se péter la tronche. Oh là là, les boîtiers n'ont plus finir, au secours. Bon, bah voilà. C'est la fin de cette première partie. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mister John Cena. Sur ce, ciao tous.